Allô, c'est Karine Champagne, bien heureuse de vous retrouver dans mon bureau aujourd'hui pour vous parler des mercredis motivation et surtout vous raconter une histoire personnelle. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous rêviez en couleur? Est-ce qu'on vous a déjà dit que votre projet était trop grand ou encore que votre étoile était complètement inaccessible? Ça m'est arrivé il y a 3 ans, jour pour jour, et aujourd'hui, je suis extrêmement fière de moi d'avoir suivi mon instinct et non pas les doutes des autres. L'histoire que je vous raconte s'est déroulée les 20 et 21 septembre 2013. D'abord le 20, c'est la première conférence que je donne devant public, un public convié gratuitement à cette conférence où je voulais surtout convaincre les femmes d'utiliser le sport comme puissant antidépresseur. Donc, à travers mon histoire, je leur exposais à quel point le sport m'avait aidée. Pendant cet événement-là aussi, on a fait une courte méditation pour pouvoir avoir un rêve ou un objectif à accomplir à court ou à moyen terme. Et là, j'ai fait ce dessin et j'ai retrouvé l'original. Alors, j'ai fait ce dessin en disant qu'un jour, on serait 25 000 femmes dans le groupe. Vous imaginez, on était 50, c'est ma première conférence. Oui, je fais de la télé, mais j'ai pas vraiment un grand impact médiatique. Et je dis à tout le monde, un jour, on sera 25 000. Et là, il y a tout le monde qui me regarde comme. Et je sais, parce qu'elles me l'ont dit, à quel point elles n'ont jamais cru à cette idée farfelue que Karine et ses merveilleuses deviennent un mouvement qui pourrait englober 25 000 femmes. Ça ne m'a jamais dérangé que personne ne croie à mon idée, que personne croie à ce que j'avais dans mon ADN, qu'est-ce que j'avais dans mon sang, parce que c'était mon propre rêve. Ce n'était pas leur rêve à elles, c'était le mien. Et je suis allée étape par étape, lentement mais sûrement, avec des hauts et des bas, et avec de grands doutes, d'énormes doutes, où à un moment donné, on m'a reproché d'être trop positive, que c'était dérangeant. Même les filles voulaient prendre le contrôle de cette page Facebook fermée parce qu'elles n'appréciaient pas l'énergie que je pouvais avoir. À un moment donné, j'ai posé une question à l'univers parce que je pense réellement, et on pourra en reparler dans d'autres capsules, à quel point l'univers peut répondre à nos questions. Et là, je vous jure que c'est arrivé. Je demande à l'univers, univers, alors qu'on est rendu à peu près 4 000 dans le groupe. Dois-je réellement poursuivre mon aventure, Karine et ses merveilleuses, et espérer un jour qu'on soit 25 000? J'ai pris un livre au hasard, j'ai ouvert une page au hasard, et voici sur quoi je suis tombée. Oui, vous voyez bien, je suis tombée sur le chiffre 25 000 et j'ai compris que c'était un signe clair que je devais poursuivre l'aventure. D'ailleurs, depuis le début de mon histoire, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai donné deux trucs. Le premier, c'est de ne jamais se censurer, peu importe l'idée. Oui, j'ai dessiné 25 000 femmes et c'est assez incroyable l'audace que j'ai eue de dire un jour on va être 25 000. Ensuite, j'ai écouté les signes de l'univers, peu importe ce qui arrivait. J'ai trouvé que c'était clair et que ça valait le coup de poursuivre cette aventure-là. Et j'ai encore envie de la poursuivre, même si on est rendu à presque 33 000, parce que des femmes, il y en a des millions sur la planète. Il y en a aussi des millions qui ont peut-être besoin d'entendre un discours rafraîchissant sur un esprit sain dans un corps sain et à quel point marcher et s'accorder du temps, ça peut faire une grande différence dans la vie qu'on a actuellement. Et mon troisième truc pour vous, ben, ce serait de découper un petit morceau et de vous dire que les seules personnes qui peuvent peut-être, la seule personne même qui peut peut-être avoir un impact sur une idée farfelue que vous avez, et c'est la personne que vous allez écrire sur ce petit bout de papier. N'accordez pas trop de pouvoir aux gens qui ne croient pas en vous, aux gens qui trouvent que vous avez de trop grandes idées, aux gens qui pensent que vous êtes né pour un petit pain. Pour moi, Karine et ses merveilleuses, c'est un de mes plus grands succès. Ça n'a rien à voir avec la télé, ça n'a rien à voir avec la radio, ça a tout à voir avec quelque chose de très passionné qu'il y avait à l'intérieur de moi, que j'avais envie de laisser exploser et que j'avais envie d'essayer et de réaliser. Alors aujourd'hui, je peux me dire, mission accomplie, c'est la fête et l'aventure se poursuit. J'espère que vous allez poursuivre l'aventure avec moi, que vous soyez un homme, une femme, évidemment, on peut tous atteindre nos rêves les plus fous.
On peut tous oser, on peut tous sortir du cadre. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, vous pouvez venir sur ma page web karinechampagne.ca et vous inscrire pour avoir du coaching gratuit. Passez une excellente journée. À bientôt.